Bonsoir, c'était très nuageux au nord ce dimanche. En revanche, au sud, le soleil était présent avec des températures agréables. Ce sera à peu près la même situation pour ce lundi, avec une France coupée en deux pour la matinée. Au sud, du soleil, au nord, de la grisaille, avec même par endroits et quelques bruines pour les régions et les plus septentrionales. Durant l'après-midi, ça va quelque peu s'éclaircir sur les régions de la moitié nord. Cependant, les nuages conserveront un certain avantage et pourront apporter quelques averses, notamment sur les régions du quart nord-est. Pourquoi pas d'ailleurs localement un coup de tonnerre en direction des frontières, un petit risque aussi présent pour le sud des Alpes et pour la montagne corse, alors que le soleil sera franc entre l'Aquitaine et le golfe du Lion. Les températures de ce lundi matin évoluant entre 7 degrés seulement pour Montluçon et 20 degrés pour Nice. Dans l'après-midi, elles sont toujours un peu fraîches sur les régions du nord-est, notamment 19 prévus pour Strasbourg. Il fera 21 pour Caen, 24 degrés pour La Rochelle, 27 du côté de Toulouse et 29 pour Marseille. Des conditions en ensoleillé pour mardi dans l'ouest et dans le sud. Au nord, toujours ces nuages plus ou moins nombreux, mais cette fois-ci le temps devrait être sec. Un petit risque orageux attendu pour les Pyrénées et des températures fraîches pour la matinée, mais plaisantes durant l'après-midi. Nous aurons 24 à Paris, 25 à Lyon ou encore 28 degrés à Bordeaux. Mercredi, le beau temps va s'installer dans toutes les régions du sud et du centre. Toujours des nuages assez présents entre la Bretagne et la Belgique, mais aussi un risque orageux qui va apparaître en direction des Pyrénées pour l'après-midi. Température globalement agréable, 24 en Bourgogne, 26 degrés pour le Lyonnais, 28 à Bordeaux et 29 à Toulouse. La suite avec jeudi pour la rentrée scolaire, ce sera ensoleillé sur les régions de la moitié nord où il fera doux, alors qu'au sud, quelques averses et orages vont se déclencher en cours de journée. On devrait en retrouver vendredi dans le sud et l'est, mais ça restera quand même désorganisé. Température globalement appréciable durant les après-midi. Et puis il devrait faire assez chaud pour le week-end prochain, moyenne de 25-26 pour le nord, 27-28 pour les régions du sud, avec sans doute quelques orages localisés, un peu plus nombreux peut-être à l'ouest pour dimanche, mais c'est encore un peu flou. On aura l'occasion évidemment d'y revenir. Ce soir, direction le département du Pas-de-Calais, où il y avait pas mal de nuages aujourd'hui, et quelques ondées en début de journée, ici dans les campagnes, avec ce superbe double arc-en-ciel observé grâce au soleil levant. Nous serons demain le lundi 30 août et nous fêterons la Saint-Fiacre. Bonne soirée à tous et à demain.